Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis rasé. Ça fait longtemps que j'avais pas tout coupé comme ça, mais il s'est passé un souci. En fait, j'ai mal coupé un endroit, du coup, j'ai tout rasé. Donc, cette vidéo est la suite de la précédente. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à cliquer sur le lien pour aller la voir parce que c'est vraiment la suite de la soirée. Comme vous le savez, nous avons nos amis qui nous ont rejoints. Donc, il y a beaucoup de monde, hein. Il y a la Goliath Family, il y a Georges et il y a Régine avec Ricky aussi. Ils nous ont tous rejoints sur notre spot et on passe vraiment de bons moments. On a passé presque une semaine ensemble en fait. Et je vais vous partager un petit peu tous ces moments parce qu'on a vraiment trouvé un spot superbe où il n'y a vraiment pas de passage. On dérange personne et c'est vraiment le top en fait parce que on a pu rester longtemps quoi, sans que personne nous dise rien. On va également tester le drone de Julien et il a fait vraiment des belles prises. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Bonjour. Je suis pompier. Je suis pompier avec son truc Pokémon. Je suis J'allume, pompier. il éteint. Alors là, franchement, on est chez les professionnels là. Là, Ça c'est rigole la pas. professionnelle du barbecue là. J'ai jamais vu cet outil-là encore. Bah écoute, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, je vais voir parce que ça vaut. Franchement, faut faire attention, c'est dangereux parce que t'as aucune sécurité, rien du tout. Ah ouais, Hein. c'est un coup de Hop, couper les hop, doigts. il n'y a même pas de bouton. Excellent. Ça marche bien. Putain. Ça marche super bien. Et en fait, je me suis offert ça parce que j'en avais marre de galérer, aller dans la forêt avec ma hache et ma scie et de galérer comme pas Ouais. permis, quoi. Ça va super vite, quoi. Donc là, ça va super vite. Gagne de temps. Tu fais ton petit bois, ton aise, tout. Mais tu donnes ça à Tâche? Nous avons Ninon qui a piqué l'os au chien. Faut le donner au chien, c'est pas pour toi. Elle part avec. Les deux se cherchent encore, hein. Je dis les deux se cherchent encore. Ouais. Et Ninon qui nous suit avec son os, toujours. J'adore ces beaux plantes, franchement, accrochées sur les rétros. Ça, c'est du grand art. On les voit les sudistes, hein. Un petit courant d'air, on les voit plus là, ils sont. Vous avez froid? Bah oui, je suis Vous venez de froid. Belgique pourtant. Pourquoi tu me vois? Oui, je viens de Belgique, je suis habituée au froid, mais j'ai pris le pli de la température d'ici, quoi, depuis décembre. Donc. Vous êtes habitué aux bonnes choses. Effectivement. On s'habitue vite au confort. Hein. Oui, c'est vrai. Ça y est, le chef a mis son tablier. Il est personnalisé. Ça rigole C'est mon pas. cadeau de la fête des pères. Et voilà, nous sommes le lendemain. Franchement, on a passé vraiment une super soirée hier. Là, je suis en train de me faire un petit café. Je suis en train de me réveiller tout doucement, parce qu'on a veillé quand même assez tard. Donc une petite chicorée, ça va faire du bien, ça va réveiller.
Hop là. Oula, un petit peu trop. Le corps lui est déjà sorti. Il va faire son petit tour matinal. C'est super beau encore aujourd'hui. Voilà. Le jour se lève tout doucement sur le camp. On peut voir qu'il y a Georges là-bas qui est déjà réveillé. Donc on est posé tranquillou. Régine vient de se réveiller elle aussi. Voilà, je vois qu'ici aussi c'est les hommes qui font le ménage. Ah, écoute, La cuisine, le ménage. Un petit coup de balai le matin. Et je vais demander à mon syndicat un balai plus grand parce que. J'avoue qu'il est un peu petit. Un peu le dos là comme ça, tu vois. C'est vrai. Il me dira, moi j'ai qu'une balayette. Hein, alors, estime-toi heureux, déjà t'as un manche. Il va falloir qu'on réclame vraiment une augmentation de budget pour les balais. C'est clair. Bonjour. Bonjour. Vous m'expliquez ce que vous êtes en train de faire? J'essaye de jouer de la basse. Mais ça marche pas. Faut appuyer sur les cordes. Alors, garde toujours les mains dessus parce que c'est grisé, tu vois. Convertisseur est grisé. Regarde, quand j'appuie, faut ça que t'appuies. Moi, je fais de la trompe, et après, t'appuies là-bas. Mais c'est dur. Ouais. On n'entend rien. C'est normal, t'as ta manche. T'as ta manche qui gêne les cordes. Attends. Et l'idée aussi de faire de la basse en plus. Pourquoi tu la tiens comme ça? Faut la tenir à plat. Pas à plat, plutôt. Ah bon. Debout. Moi, je sais pas, moi, je fais ça comme un ukulélé. Ça ouais. Allez, vas-y. Bon, c'est pas gagné. Que tu tiens quelque chose là. Ah, tu vois, tu te moques, mais. Elle tient un truc, elle tient un truc. Mais avant, je savais faire Harry Potter. Il est un petit peu vieilli, là, Harry Potter. Il a morflé. Il a mal vieilli. Il a morflé, Harry Potter, du coup. Moi, j'ai pas le son. Pourquoi tout le monde me fait des photos? On est une vraie star. La star de YouTube, elle a toujours dû faire des vidéos, tu vois, parce que la musique, c'est pas son truc. Continue à faire des vidéos, abandonne la musique. Hein. Non, quand les abonnés verront ça, il faut que tu montes un groupe, Anna. Allez, vas-y, monte un groupe. Annabelle et les vagabonds. Ouais. Oh, les vagabonds, c'est pas mal ça. Est-ce que tu peux m'apprendre un morceau? Ouais. Bon, bah finalement, ils ont abandonné la basse. Et puis Annabelle est en train de faire son petit cours de gym. Effectivement. Voilà, avec ses élèves. Initié, alors. Ça tire sur les jambes. Ça commence, ça commence. Bah c'est là, non? Allez, prochain exercice. Vous êtes prêts? Nous allons placer nos mains comme ceci, les bras. Nous allons interverser les bras comme ça. Et un, et deux, et un, et deux. Pourquoi tu bouges tes jambes? C'est la musique en fait. Ah là, tu bouges tes jambes. Ah, tu vois qu'il bouge les jambes. Fait le corps s'y met aussi. Allez, c'est vrai, il faut pas. Pourquoi vous faites coucou tous les deux? Une explication. Je crois qu'on s'est vu, on s'est dit. Nous sommes des gens polis. Ça tire trop. Ça tire trop. Allez, c'est la gym. Allez, je saute. 13, 14, 15, 16. Ah, ça en fait. Et c'est déjà raté, il y a déjà plus de rire. Allez, on est presque. Allez, les gars, synchro. Allez. On peut aller si vite là. Pour travailler. Allez, pour on y va. Hein. Allez, tout le monde s'y met. On travaille. Nous avons Régine. Les même Ninon s'y met là-bas. Ninon, elle est à fond. Ninon, elle est là. Il faut plier les genoux. Un petit peu, ouais, il faut écarter un peu les jambes. Quelle équipe? Quelle équipe? À 50, ce qui va sonner la fin de l'entraînement. Moi, je les encourage. Je vais travailler les jambes, regardez. Voilà. Dis donc, vous m'expliquez comment ça se fait que vous êtes si belle? Parce que j'ai mis ma robe de l'été. Bah ouais. T'es en train de poster ta vidéo, on est en train de galérer parce qu'il n'y a pas de réseau. Je suis à 1% depuis 10 minutes. Donc comme ma vidéo dure 30 vois que minutes. Tu t'es fait toute belle, dis donc. Bah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Dites-le sans rentrer au jaloux. Bon bah voilà, il y a Georges qui nous quitte, hein, qui part. Avec sa casquette Pikachu, j'en peux plus. On va passer un bon moment. Ouais, c'est vrai. Mais on va continuer à passer un bon moment, mais bon. Toujours en train de faire des foufous. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Ouais, c'est quand même calmé. Hein. Un petit peu, ça va un petit peu mieux. Après, ça mord pas. Hein. C'est vraiment, c'est du jeu. Quoi. Ça se mordit. Bon, par contre, avec tous ces gros chouchous, nous avons Nani qui est en PLS dans mon camping-car. Hein, pauvre Nani. Bah ouais. Y a trop de chiens là. Hein. Bah ouais.
Bon, allez, tranquillou, il fait sa petite sieste. T'es que t'es un beau gosse, toi. Bah ouais. Papa, papa. Bon, bah ce soir, on remet ça, hein. Barbecue est en route. Je mets de la mayonnaise. Ce soir, ça va être des patates dans l'aluminium, avec un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'herbe de Provence. De Provence et voilà. C'est la fête. Tu rajoutes des champignons. Tiens, vous aimez les tomates, tu récupères les tomates. Voilà, bah ça va cuire tout doucement. J'ai rajouté aussi les poivrons là. Je suis en train de prendre la fumée dans les yeux. Les poivrons qui sont en train de griller eux aussi. Ça va être pas mal. En préparation de la salade, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a plein de choses apparemment. Il y a beaucoup de choses. Tomates. Ouais. Tomates, poivrons, voilà. Champignons, pois chiches et fromage. Et bah. Une petite rasade d'huile d'olive. Et j'ai pas trouvé de cédelle. Et tu as rajouté des pommes? Oui, oui, la moitié d'une pomme. C'est très bon. Je crois qu'on va se régaler. Oui. Ah ouais. Voilà, on est posé comme des rois. On n'est pas bien là? On est très bien. On a froid, mais on est bien. Il fait un peu froid, c'est vrai. Heureusement, on a le feu pour nous réchauffer juste là. Donc, ma foi, si vous êtes à table, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit. Bon là ça rigole plus maintenant. Sortie du drone. Ah bah, on va faire quelques petites prises de vue avec. Il est tout petit celui-là. Petit engin. Ouais il est pas grand. Il est mignon. Ouais, il est pas grand, ça vole bien. Ça vole haut ça non 3 km je crois. 3 km de hauteur. Ouais, ah ouais. Je pense que ça limite ces 3 km. Tu as passé ton diplôme de pilote. Non. Non, mais je pense qu'il est dans la catégorie où il ne faut pas. Sans permis. Il est trop léger. C'est en fonction du poids, normalement, si mes souvenirs sont bons. Je m'étais renseigné à l'époque et au niveau du poids, lui, il passait tout juste en dessous, en fait. Mais je pense que c'est les marques aussi qui ont fait que de faire des appareils exprès en dessous du poids, des législations pour que tout le monde puisse les acheter. Ouais. Ouais. On va voir. Est-ce qu'il va décoller, là? Pas tout de suite, il fait une mise à jour. Ah ouais, d'accord. J'attendais là, est-ce qu'il va décoller ou pas? Maman. Alors, il est bon ce pain au lait? Délicieux. Là, je n'en pense pas moins. Je suis avec les trucs. Oh non. C'est une question. Par rapport à la queue, c'est pareil en fait. Pour avoir ça, merci. Vous êtes assorti au niveau. Pauvre tâche. Nous sommes plein de tâches. Cette tête. J'aime trop ce qu'elle est toute douce. Mm. Vraiment le poil tout doux. Bon bah Falcor et Ricky, ça va un peu mieux quand même maintenant. Ils commencent un petit peu à moins être foufou. Ils ont toujours leur moment de folie, mais ça va quand même mieux. Par rapport au début. Qu'est-ce que t'en penses? Par rapport au début, ça va quand même mieux. Ricky ouais. Et Falcor. Bon, il est pas parfait, mais. Hein? Oh, toutou. Il paraît que t'es parfait. Ouh là là. Par contre, ils se sont tellement fait les foufous que ce que j'avais écrit, ça commence à s'effacer un petit peu. On voit plus grand chose. Hein? Tout poussiéreux. Il y a plein de poussière ici. Attention, décollage du drone dans quelques instants. Faire attention. Oh, toutou, tu restes pas trop à côté parce que. Non, ni non. C'est dangereux. Ni non, Ah si, Falcor. Ah si. C'est bien. Allez, décollage. Ça fait du boucan. Hein. Excellent. Allez, salut. Entrer dans une zone soumise à autorisation. Aéroport, tu vois. Ah ouais. Bah on n'est pas très loin, pas si quoi. C'est assez loin quand même, Toulon. Après il y a les zones militaires ici donc. Bah ouais, à mon avis ça doit être pour ça qu'il. Donc ici on va mettre la caméra en route. Ah, il est en mode. Et là photo. C'est ce qu'on voit là du drone là. Ouais, ça c'est le retour du drone donc tu vois. Ah ouais, mais c'est beau. Si je le fais tourner sur lui-même. Ouais, toutes les montagnes. Tu vois. Ah oh, c'est excellent quand même. Il est juste au-dessus des arbres. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Permet de tout voir, enfin de voir tous nos alentours. Bah on l'a toujours sorti, mais maintenant qu'il est. Avec le soleil. On va arriver ouais, à contre-jour avec le soleil en face de nous.
C'est sympa. Hein. Et c'est ton... Ah, c'est ton téléphone en fait. Ouais, c'est le téléphone qui sert. C'est quoi, c'est... En fait, tu sais le faire voler juste avec la télécommande. Ouais. Et après, pour avoir le retour caméra image, tu as besoin du téléphone. D'accord. Alors idéalement, pour vraiment faire de très très belles images, il faut être deux. Il faut qu'il y en ait un qui commande la caméra et un qui commande juste le drone. Mais bon, ça c'est vraiment pour l'idéal. Pour les pros quoi. Ouais. Mmh. C'est déjà pas mal là. Il est tout là-haut. Je sais pas si on va le voir encore. Il est tout là-haut. Et là t'as incliné, du coup on peut voir notre camp. Voilà. C'est trop bien. Ah, je vois mes panneaux solaires. On avait perdu un peu la connexion. Et s'il se déconnecte, qu'est-ce qui se passe? Alors, deux options. Soit il reste en stationnaire et il attend. Ouais. Ou alors la deuxième option, au décollage, il a enregistré sa position de décollage. Ouais. Et donc, s'il y a vraiment un problème, il va revenir à sa position de décollage. Ah, bah ça. Pareil, s'il tombe à court de batterie. Ouais. Au bout d'un moment, il va calculer pour avoir assez d'autonomie pour revenir à sa position de décollage automatiquement. Ah ouais, il y a quand même des programmes enregistrés quoi. Ouais, heureusement il y a des sécurités. Ouais. Celui-là il est quand même bien bien sécurisé à ces niveaux-là. Bon, ma Régine va nous quitter ce soir. Pas nous quitter. Enfin, elle s'en va chez elle. Voilà, elle rentre chez elle. En bonne santé. Avec Ricky, qui est un petit peu foufou, mais moins, quand même. Il s'est calmé. On a de la place, on a. Dormir dans mon lit ce soir. Et ouais. Et bah, rentre bien, et puis de toute façon. Encore des bisous. Et voilà, nous avons Passepartout qui s'en va. À bientôt. Bon, et ce soir c'est en cinéma. J'espère. On va regarder ma vidéo. Tu le connais, lui? Ah, ça me gêne tellement, j'aime pas. Il me dit quelque chose, ce gars. Excuse, mais j'ai eu vraiment une grosse migraine. Oula. En grand écran en plus. En grand écran. Checké, donc j'ai séance en cinéma. Où sont les popcorn, s'il vous plaît? Bon visionnage. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, dans la prochaine, vous allez voir qu'on va aller à Ops, visiter le village, et c'était vraiment très joli. Donc ne ratez pas surtout la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, eh ben, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.